Pour parler de cette affaire, nous sommes avec le maire de Villeneuve-le-Roi, Didier Gonzalez. Bonsoir, merci d'être avec nous. Première question, est-ce que vous comprenez l'émotion du père de l'enfant décédé et surtout sa décision de porter plainte ? Oui, bien sûr, on comprend parfaitement la... cette situation absolument dramatique. Et d'ailleurs, la commune de Villeneuve-le-Roi s'associe à la peine de la famille, bien évidemment. Et d'ailleurs, nous allons aussi nous associer à une action en justice, puisque nous sommes en train de travailler à la réalisation d'une plainte, une plainte contre X aujourd'hui, puisque nous n'avons pas d'autres éléments, mais une plainte contre X avec constitution de partie civile pour avoir accès au dossier. Alors on le rappelle, hein, le papa porte plainte pour homicide involontaire et non-assistance à personne en danger. Vous, pour quel motif porterez-vous plainte ? Mais écoutez, simplement parce que on ne peut pas concevoir que, alors qu'on achète un service auprès de professionnels pour s'occuper de nos enfants dans de belles conditions, et eh bien que ça se termine dans des conditions comme celle-ci. La lumière doit être faite, et je crois que, compte tenu du fait que aujourd'hui on nous annonce plusieurs pistes possibles, et eh bien la lumière doit être faite et toute la lumière doit être faite et on ira ensuite chercher les responsabilités, parce que ce n'est pas possible, quand on s'adresse comme ça pour ses enfants, les enfants de la commune, à un organisme qui a pris des engagements vis-à-vis de nous, eh bien ce n'est pas possible que ça se termine par une situation dramatique comme celle-là. Donc on ne peut pas l'accepter. Didier Gonzalez, est-ce que c'est vous, en tant que maire, qui avez choisi ce centre de vacances ? Est-ce que c'est la première fois que vous faisiez appel à l'organisme qui a mis en place cette colonie ? Oui, c'est la mairie qui a choisi ce centre de vacances, bien sûr. Alors moi, pas forcément, mais en tous les cas, mes services. On a travaillé ensemble pour choisir ce centre de vacances qui offre, sur le papier, toute garantie. Et d'ailleurs, il a eu un certain succès puisque les enfants se sont inscrits. Et j'ai vu aussi que d'autres communes ont fait confiance à ce centre, puisque la mairie de Paris, la Ciotat, etc., le comité d'entreprise d'Airbus, bref, plusieurs communes ont fait confiance à ce centre. Et donc, je vous le redis, il n'est pas possible d'arriver à une telle fin. Donc, c'est absolument incroyable. C'est la raison pour laquelle nous allons prendre toute disposition pour faire toute la lumière, et nous allons nous constituer et partie civile pour qu'on puisse avoir accès au dossier, et notamment au dossier médical. Monsieur le maire, les résultats de l'autopsie devraient paraître dans quelques jours. Est-ce que vous craignez ces résultats, notamment sur l'origine précise de la mort de cet enfant qui, on le rappelle, est mort d'une infection digestive dont l'origine reste encore inconnue ? On parle éventuellement de l'eau qui est contaminée, d'aliments. Est-ce que vous craignez finalement, vous-même en tant que maire, ces résultats ? Moi, je ne les crains pas du tout. Au contraire, je les réclame. Lorsque je suis descendu précipitamment, lorsqu'on m'a annoncé la mort du petit, précipitamment, j'ai demandé à ce qu'on puisse avoir le plus d'informations possible pour prendre les décisions. Parce qu'à l'époque, les enfants et la totalité des enfants se trouvaient encore là-bas. Donc, on n'avait pas, à ce moment-là, et encore aujourd'hui, je crois, suffisamment d'informations pour savoir quelle est l'origine et ce qui s'est passé réellement. Donc, dans le doute, on a fait remonter tout le monde. Mais aujourd'hui, moi, je réclame la transparence dans cette affaire, ne serait-ce que pour que plus jamais ce type de situation ne puisse se reproduire. Je vous assure, quand on est maire et qu'on organise ce type de séjour, qu'on s'adresse à des professionnels et qu'on arrive avec une situation absolument dramatique comme celle-là, c'est absolument insoutenable. Les mots vous manquent. On comprend votre émotion. Merci Didier Gonzalez, maire de Villeneuve-le-Roi, d'avoir été en direct sur BFM TV.